l'événement? C'est pas compliqué, étant un amateur de métal depuis mon tout jeune âge, je faisais énormément de concerts de métal, surtout Moine Brennan. Et puis du jour au lendemain, j'ai trouvé que les salles faisaient moins en moins de métal, les salles se vidaient de plus en plus. Et puis j'ai commencé à ressentir un manque, ça toujours aller de plus en plus loin. Et au final, j'ai dit bon, bah il y en a marre, je vais monter mon truc. Après, je ne sais pas si ça allait marcher ou pas au départ, ça n'a pas été facile. Et puis voilà, aujourd'hui on a la 5e édition et puis ça a l'air de commencer à monter un peu. Le principe du festival, c'est un peu confronter, on va dire, une grosse tête d'affiche nationale à des groupes locaux amateurs. Est-ce que c'est pas difficile de faire jouer auprès d'un groupe qui vont jouer avec des amateurs et qui ont l'habitude d'être encadrés de professionnels? Plus que ça. Et en plus, à la base, bon, j'ai fait le festival, mais c'est surtout en même temps, j'ai voulu faire le tremplin, je tiens à en parler de ça. Ouais. Pour justement, parce que étant dans un groupe de métal qui va jouer ce soir, un groupe Furax, il y a très peu de tremplins métal. Et tous les tremplins qu'on peut faire, bah, tous les métalleux se font en général éjectés, c'est bien fait. Et donc aussi le but c'était justement de donner la chance aux groupes locaux de pouvoir faire une belle scène, en mettant une belle tête d'affiche et motiver les jeunes à faire un super tremplin pour jouer avec cette tête d'affiche. Et ça marche vraiment bien, ça nous a fait une pub de folie. Ouais. Et puis après bah, les groupes, bon ils sont... Alors justement je tiens à préciser aussi, souvent les groupes c'est toujours on se met et puis les petits groupes devant et puis vous avez fini de jouer vous en allez. Chez moi j'ai une politique et clairement c'est tout le monde est logé à la même enseigne. C'est-à-dire que tu peux regarder, le premier groupe joue à la place centrale et il jouera pas sur le côté, et, les groupes ils n'ont pas le choix avec nous. D'accord, ok. J'aime bien moi ce côté, pas parce que tu es petit que tu ne fais pas de la musique que tu dois toujours être calé au début sur le côté et puis t'as pas de retour, on te met nos amplis devant tes lumières, c'est ce qui est arrivé, je vais pas citer de nom. Et moi je suis intervenu, j'ai dit non, hors de question, vous m'enlevez ça, le premier groupe on voit comme vous à la lumière. Le jury, du coup, se compose de... Alors le jury, au départ, on avait... je ne sais plus comment on avait fait quand c'était au tout début, on avait, je crois, mis des profs de musique, des fois, on avait voulu mettre des... Il y avait une fois dans le jury, il y avait l'ancien programmateur du Moine Brennan. Puis après, on s'est aperçu que... On n'avait pas forcément tous les mêmes idées, donc on a voulu plutôt axer sur l'association. Donc le jury, c'est les membres de l'asso, mon frère et moi, et puis donc les nappes, donc musique. Comme ça, on est que trois, et si jamais bah, on n'arrive pas à se mettre d'accord, des fois on en impose un G. Il n'y a pas vraiment de jury unanime, des fois on demande l'avis un peu autour de nous aussi. Par contre, c'est vraiment le président et enfin, celui de l'asso qui décide de la fin. À la MJC de Montsouci, tu devais faire ça à Jura Park. Donc là, j'aurais aimé t'épargner cette question-là, mais on va parler un peu de l'année maudite, parce que le tête d'affiche qui se présente pas, qui annule à 23h la veille. Ta salle principale qui brûle. Qui brûle. Je veux dire, tout ça quelques jours avant le festival. Au niveau du coup de l'organisation, bon, apparemment tu n'as pas été très soutenu vraiment. Ah non, pas trop. Par contre, mon équipe m'a soutenu, les fans m'ont soutenu du festival, vraiment tous les gens qui sont autour de cet événement, ils m'ont tous envoyé des messages, j'avais même plus à répondre. C'était impressionnant. J'ai vu l'engouement autour de ce truc. Je me suis dit, Quentin, tu peux pas te laisser abattre, tout le monde est derrière, donc vas-y. On voit, et puis j'ai réussi à sauver les meubles. Le groupe, je l'ai trouvé cet après-midi à 15h30. Hein. D'accord. Donc okay. Depuis ce matin, à 7h du matin, je cherche. Parisien, il me semble. Ah, ils sont un peu de partout. Alors, je ne les connais pas assez dans le détail pour me prononcer, mais il y en avait un qui était sur Lyon, l'autre qui est sur Paris. Ils sont un peu partout, puis là, ils se débrouillent pour aller tous en même temps ce soir. D'accord, donc on peut malgré... Encore une preuve, je dirais malgré tout ce qu'on peut entendre sur métal, encore une preuve qu'il y a une vraie solidarité dans ce monde-là, vraiment. Tous soudés pour faire bouger les choses. Tout à fait. D'accord. Eh ben, écoute, je pense que tu as encore un peu de boulot pour lancer. Ah, j'ai encore un tout petit ça, peu de boulot, oui. Je pense que le stress va retomber avec les. Demain. Demain, d'accord. Non, parce que je peux finir. D'accord. Donc un stress permanent quand même pendant, même pendant que les jeux de groupe, les, surtout les groupes jouent. Surtout que le dernier groupe est censé arriver quand moi je joue. D'accord. Donc je vois pas comment je vais les accueillir en jouant en même temps. C'est un petit peu. D'accord. Donc là c'est là que ton équipe va te soutenir, je pense, et prendre le relais. Bon courage. Et puis merci de faire vivre le Jura avec le métal. Merci à vous. De faire vivre la scène métal, tout simplement. Je te remercie. Merci à toi. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci à vous, Petit Fest.